y a des jours où tout commence bien. On a le sourire. Sans raison particulière. Tout semble être bien à sa place. Le soleil brille juste comme il faut. Les gens sont calmes, tranquilles. Et on a envie de marcher, de flâner. Hélas, ce qu'on oublie, c'est que les choses changent vite en une journée. Bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour, patron. Aujourd'hui, une femme va aller témoigner au palais de justice. Elle est sous notre protection. Je voudrais que tu fasses partie de l'opération. Ça te prendra moins d'une heure. Tiens, voilà son adresse. D'accord, mais Monterosso, il est où? Il a pris une journée de congé. En route, Rex. À nous de jouer. Je suis étudiant en médecine. Donnez-moi un coup de main. Restez pas planté là, aidez-moi. Les enfants! Oh, oh mon Dieu, les enfants! Où sont? Où ils sont? Là-haut, dans l'appartement. Où ça? Au troisième étage. Allez, Rex, on y retourne. C'est dangereux de rester ici. Descendez, sortez l'immeuble. Thank you.
Hey, arrête! Sors-toi d'ici! Cet agent. Je suis vraiment désolée. Il venait juste d'avoir un fils. Tu fais le compte des victimes? Oui. Si on exclut ton collègue, un homme qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'échapper à temps. David, tu devrais t'estimer heureux d'être encore vivant. Si tu étais entré avant dans le bâtiment. Mais enfin, c'est qui ce témoin? Son témoignage est si important pour qu'on ait essayé de faire sauter l'immeuble entier. Elle s'appelle Valentina Cavalli. Valentina Cavalli? Ce n'est pas le témoin clé du procès de la Beaver Bank? Si, je crois bien que si. Madame, excusez-moi, vous pouvez venir voir. Oui, j'arrive. Excuse-moi. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Attendez, je vais le faire. Vous trouvez quelque chose? C'est un téléphone. Eh ben, on va le garder. Bien joué, champion. Bravo, t'es le meilleur. Et allez, en route. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'hôpital ou au moins chez toi, tranquille. Je veux savoir qui a voulu faire sauter le bâtiment. Je cherche tous les documents sur l'affaire Beaver Bank. L'enquête a été confiée à quelqu'un d'autre, donc cette affaire ne nous concerne plus. Désolé, depuis hier, ça nous concerne. Il s'agit d'un attentat et j'y ai survécu de justesse. Deux personnes sont mortes, dont un collègue. C'est vous qui allez annoncer à la veuve que ça ne nous concerne plus? Je vous en prie. Eh bien d'accord, convoque la journaliste alors. Celle qui a fait démarrer toute l'enquête sur la banque. Elle s'appelle comment? Carlotta Montagna. Rivera. Simple vérification, pas de zèle. Madame Montagna? Oui, bonjour. Commissaire Rivera. Valentina, comment va-t-elle? Elle se remet, elle va mieux. Mais elle est encore sous le choc. Vous vous connaissez bien? Lorsque mon enquête sur l'affaire a été terminée, nous sommes devenus de bonnes amies. Quel est votre sentiment sur cette affaire? J'imagine que vous savez qu'une procédure est en cours. Si Valentina Cavalli parvient à témoigner, pour eux c'est terminé. Et le président de la banque serait prêt à tout pour l'en empêcher. Qui est le président de la banque? Roberto Fibonacci. Avant d'être président, il était en charge du service crédit. Ça a commencé avec le boom de l'immobilier dans les années 70. Les immeubles ont été construits avec des matériaux de mauvaise qualité. Il faudrait pratiquement tous les démolir, et pourtant on a préféré les laisser vides. Une vingtaine d'années plus tard, quelqu'un a eu une idée.
les acheter très bon marché, les retaper et ensuite les refiler aux petits épargnants comme un investissement sur leur capital. Et aucun d'eux n'examinait les lieux avant de s'engager? Si, bien sûr. Mais ils avaient décidé de montrer à tous les futurs acheteurs toujours le même appartement témoin et en plus ils leur garantissaient des rentrées rapides grâce à la location. En pratique, les acquéreurs se rendaient compte de l'escroquerie qu'une fois qu'ils entraient en possession de leur véritable logement. Ils pouvaient résilier le contrat, il me semble. C'était plus que justifié, non? En effet, mais dans ce cas, ils devaient payer un pourcentage à la banque absolument disproportionné par rapport au prix de l'acquisition. Pourquoi la banque? Quel rapport? La Beaver Bank a participé de façon massive à tous ces achats. Beaucoup d'investisseurs ont tout perdu. Certains d'entre eux se sont même suicidés. Mais la banque a toujours décliné toute responsabilité. Et en effet, rien ne prouve à ce jour qu'elle était derrière tout ça, qu'elle était concernée. Continuez. C'est là qu'entre en jeu Valentina Cavalli. Elle était employée dans la société qui se chargeait de vendre les appartements. Et en fait, elle travaillait pour la banque. La société immobilière n'était rien d'autre qu'une couverture. Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a un lien direct entre la banque et l'agence immobilière? Non, malheureusement. Le seul et unique lien, c'est Valentina Cavalli. Et elle est prête à dire la vérité au procès. Si elle parvient à y témoigner. Ils sont nombreux à avoir acquis ces appartements. Plus de 1000. Tu restes là. Tu sais bien que les chiens ne sont pas admis dans les hôpitaux. À tout à l'heure et sois sage.